À peine 8 heures ce matin, Laurent Bertrand, le principal du collège de Longwy, est déjà à pied d'œuvre. Il vit là sa 7e rentrée et pas question pour lui de se laisser piéger par un excès de confiance. C'est à la fois, je dirais pas de la routine parce qu'on a une certaine habitude, mais quand même à chaque fois un petit stress d'avoir oublié quelque chose. Parce que justement le fait de le faire depuis plusieurs années, on a l'impression de maîtriser. Et en fait, il y a toujours un petit couac, un petit quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé. Au programme de cette pré-rentrée, l'accueil des enseignants, la remise des emplois du temps, des informations sur les changements par rapport à l'an passé. Mais tout commence dans ce collège par un petit déjeuner pour évoquer les vacances et faire connaissance avec les nouveaux collègues, ceux qui vont enseigner pour la première fois et ceux qui ont obtenu leur mutation. Moi, je suis parti de la Bourgogne il y a une dizaine d'années pour des raisons professionnelles, donc je reviens d'où je suis parti, donc je suis bien content de revenir et puis de retrouver une nouvelle équipe qui a l'air assez jeune. Ouais. Moi, je viens de Seine-Saint-Denis, donc content de revenir en Bourgogne. Donc on va découvrir un nouveau collège, donc c'est bien. C'est une première expérience pour moi et pour nous tous. Hein, après, un petit peu d'appréhension quand même par rapport à la rentrée, mais j'espère que tout va bien se passer. Pas de collège sans professeurs principaux, ils sont désignés ici par choix ou par obligation. Tous ont à l'esprit leur responsabilité face aux élèves. Le professeur principal est le professeur qui va gérer la vie scolaire, qui va être l'interface entre les élèves, les autres professeurs et parfois l'administration et qui va essayer de désamorcer les crises s'il y en avait. Et puis tant que les élèves ne sont pas encore là, on en profite pour jouer les grands enfants et faire une photo avec l'ensemble du personnel.